Les galopeurs ont rendez-vous sur l'hippodrome de Compiègne, ce lundi 20 mars. C'est le prix de la plaine du Putois qui a été retenu pour servir de support au pari à la carte. 16 concurrents de 4 ans et plus se retrouveront au départ d'un handicap disputé sur la distance de 1800 mètres. Guère épargné par les soucis de santé depuis ses débuts en compétition, Kemoko Bello le 11 ne compte que 11 sorties à 7 ans mais a déjà prouvé sa compétitivité à plusieurs reprises dans la catégorie qui nous intéresse. Ce fils de Montmartre évolue désormais sous la responsabilité de Ludovic Rovis et a retrouvé une valeur handicap nettement plus favorable que par le passé. Le changement de surface devrait également servir ses intérêts. Associé à Christophe Soumillon, il mérite le plus grand respect. Récent bon troisième d'une épreuve similaire à Saint-Cloud, le Gazus le 10, qui fait partie des trois représentants de Fabrice Vermeulen à avoir répondu à l'invitation de cet événement, conduira l'opposition en compagnie de Palémon le 4, qui arrive des courses dites à condition avec quelques références intéressantes. Malgré 60 kg sur le dos, la 4 ans Lady Pink le 1 a sûrement son mot à dire pour les accessites, tout comme le rentrant Pintaour le 9 bien placé dans les stalles. Savior Brest le 6 avait remporté un quintet, ici même, en juin 2022, avant de connaître des fortunes diverses. Méfiance. Vought City le 5, muni de hier, et inattendu le 12, associé à Michael Barzalona pour sa première sortie pour le compte de Douar Lyon, compléteront notre sélection. Notre pronostic en 5 chevaux sera donc le numéro 10, le 4, le 11, le 12 et le 9. Bon jeu à tous.